Salut à toutes et tous. Merci d'être là, merci d'être fidèle à cette antenne. On va encore suivre une nouvelle rencontre aujourd'hui. Voilà, pour ceux qui ne me connaissent pas, je suis Hervé Matou. Je dois commenter ce match. J'espère que vous allez être bons. C'est le foot français qui est à l'honneur avec ce match de Ligue 2 BKT aujourd'hui. On a vraiment hâte que ça commence. Ça ne va plus tarder. On espère bien sûr assister à un super match. Je suis assez confiant pour tout vous dire. Je vous laisse prendre connaissance de la composition de l'équipe locale. La formation retenue est un 5-3-2. On va essayer de maîtriser le ballon au milieu. Et voici le 11 de départ de l'équipe visiteuse. L'équipe va jouer en 4-5-1. On va voir comment ce système s'anime. Le coup d'envoi est donné, on espère que ce sera un bon match. Je ne pense pas qu'il faille attendre des surprises de la part de l'adversaire qui, bien qu'il soit en déplacement, va continuer à faire ce qu'il sait faire, c'est-à-dire presser très haut. Ouais, bonne intervention. Ah oui, la bonne passe. Ouais, qu'est-ce qu'ils vont pouvoir faire pour l'arrêter? Bon, attention, c'est pas fini. La bonne frappe, elle était cadrée à mon avis, mais la tentative a été déviée. Aldo Kalulu. Ouais, peut-être une situation intéressante là. Tire. Ouais, il repousse, ça joue. Attention, ça peut devenir intéressant. Et le défenseur qui a contré. Et le ballon qui sort. Corner à venir. Et le tireur qui a visé à la zone du point de pénalty. Intervention défensive, ouais, le tacle. Et ça revient dans l'axe. Allez, faut centrer vite. Ouais, il a dribblé, magnifique. Et le ballon parti très loin, c'est dégagé. Henri. Ah, il perd le ballon, bon tacle. Ça part bien, action dangereuse. Finalement, ça ne donnera rien. L'adversaire qui s'empare de ce ballon. Il faut trouver une ouverture. Le centre, il y a du monde dans la surface de réparation. Oh, la barre, attention, c'est pas fini. Ouh là là, c'était très chaud là, le ballon qui a touché le cadre.
et finalement il est capté, plus de peur que de mal. Aldo Kalulu. Il continue sa progression. Oui, bien sûr, il suffit de le dire pour que le contraire se passe. Interception. Et c'est sifflé, que dit l'arbitre. Ça joue vraiment très bas. Hein. Ouais, elle a du potentiel cette attaque. Ça peut très bien faire un but. Allez, il y a du monde pour reprendre. Ah, mauvais dégagement là. Attention. Attention, si ça rentre. Oh, on est passé tout près de l'ouverture du score dans ce match. Il s'en est fallu de pas grand-chose. Allez, oui, il va y aller. Et le but, déjà un but. Ça démarre bien. Et on va revoir ça pour le plaisir. Avec le centre départ, la suite hein, qui a étonné tout le monde. On attendait un peu une volée puissante et choisit de la placer. Et ça fait donc 1-0 au tableau d'affichage. L'arbitre a sifflé, qu'est-ce qu'il va faire ? La reprise de la tête, hors cadre, un petit peu sous pression. Il y a quand même un problème de réalisme, hein. Vous voyez les statistiques. Grande maladresse devant le but, sans quoi l'adversaire serait déjà KO. Allez, peut-être une bonne occasion. Qu'est-ce qu'il va faire ? Kalulu. Ouais, bonne intervention, assez autoritaire. Il y a des ballons comme ça qu'il faut négocier sérieusement. Ouais, on va revenir à la faute initiale. Le ralenti de ce tacle glissé et l'arbitre évidemment qui a sanctionné. Bien protégé ce ballon. On cherche la faille dans la défense adverse. La frappe. La belle intervention dans les buts. Magnifique.
surface de reculer et en finir par perdre un ballon dans une zone dangereuse. On cherche une solution. Ballon qui est claqué au-dessus de la barre par le gardien. Corner, c'est un ballon d'égalisation. Il joue en deux temps, le corner. Le jeu qui revient dans l'axe. Il attend l'ouverture. Le gardien qui repousse, attention. 2 minutes de temps additionnel, c'est ce qu'indique l'arbitre. L'arbitre décide de revenir à la faute. Ballon qui s'éloigne de la zone dangereuse. La mi-temps qui vient d'être sifflée à l'instant sur ce score de 1-0. Ouais, il a fait une bonne première période, je trouve. Bilan satisfaisant sur le plan individuel. Alors, on va retenir de ces 45 premières minutes le fait qu'il ait marqué, ça c'est sûr. Et puis le fait qu'il ait pesé quand même, qu'il a été un danger permanent. Voilà, c'est reparti. Il faut qu'il centre maintenant. Mais non, il n'est pas bien dégagé ce ballon. L'arbitre qui réfléchit, est-ce qu'il va sortir le carton ? Et le danger qui s'éloigne avec ce dégagement. Très bonne intervention, il lui a pris la balle. Ah, il progresse bien là. Il va y aller. Elle arrive le gardien. Il travaille bien son ballon et il marque en finesse. Il est bien placé, il a mérite d'être là au bon moment, c'est ce qu'on lui demande. Et ça fait maintenant 2-0 au tableau d'affichage. Ils accentuent leur avance. Ils font tourner en attendant une ouverture. Et bien fait, il élimine le défenseur. Oh, le plongeon énorme pour écarter le danger. Quelle parade! Allez, changement avec un joueur qui va entrer. Ouais,
Et bien tiré ce corner. Le corner qui sera dégagé. Il gagne du terrain. On arrive dans la dernière demi-heure de cette partie. Théo Fanfon. Non, ce sera pour le gardien adverse finalement. Attention, il peut centrer là. Là, il fallait intervenir urgemment. Contrôler ce ballon. Et ils sont à la récupération. Ouais, bien joué le défenseur. La passe est coupée, bien défendue. Allez, il est en bonne position là pour centrer. Kaloulou. Oh, quelle détente! Oh, il est allé la chercher très loin celle-là. Plusieurs changements en même temps. Le corner, le ballon en pleine surface. Le corner qui est dégagé. Ah, ça, ça peut être dangereux. Allez, prends sa chance. Le gardien qui repousse, attention. Oui, le but, oh, quelle est belle. Quelle reprise. Techniquement, c'est parfait, magnifique. Ouais, pas de réussite parce qu'il y a un premier arrêt hein, qui est pas mal, mais ça n'a pas assez suivi défensivement. Un petit but d'avance donc, le score est de 2 buts à 1. Allez, il y a du monde pour reprendre. Ce ballon qui est dégagé. Ah, beaucoup d'assurance hein, dans son geste. Les 15 dernières minutes du temps réglementaire. On va revenir à la faute. Allez, un petit coup de l'entraîneur qui sent son équipe en difficulté. Changement tactique. C'est peut-être ce qui manquait à son équipe. Lopi est en train de remonter le terrain. Ouais, bien vu le centre en retrait. Ouais, superbe l'arrêt. Magnifique à bout portant. Je préfère combiner pour jouer ce corner. On attend les solutions. Ah, dommage, le ballon qui est perdu.
L'attaque de la dernière chance pour égaliser. Il a pris sa chance, mais la frappe est déviée. Allez, ils ont peut-être de quoi lancer une contre-attaque. Voilà, une contre-attaque qui n'ira pas plus loin. Ça, c'est très bien défendu. Adversaire qui hérite de ce ballon. Et ce ballon est intercepté. Le public est en train de pousser derrière son équipe. On sent qu'elle est capable de tuer le match. Pourquoi pas dans les dernières minutes. Oh, bien joué. C'était chaud. Il a dégagé. Le quatrième arbitre qui donne 3 minutes de temps additionnel. Attention à cette action. C'est un petit peu maintenant ou jamais. Très important cet arrêt. Toujours ce but d'avance alors qu'il ne reste plus vraiment beaucoup de temps à jouer. Quelqu'un au fond de feu. Pierre avec un tir. L'arbitre qui siffle la fin du match à l'instant. Et cette équipe qui peut donc empocher les 3 points devant son public. L'équipe qui remporte donc une courte victoire. Et l'important, c'est d'avoir tenu jusqu'au bout. On a tout de suite senti qu'il pouvait réaliser un grand match. Et ça a été le cas, vraiment. Il est pour beaucoup dans cette victoire. Il a fait un très très bon match. Il a été efficace avec ce doublé. Franchement, mission accomplie. L'un des grands acteurs de cette victoire.